vidéo, encore un unboxing de Japan Box. Alors aujourd'hui ce sera une petite cool box, voilà. Oui, je vous montre pas le devant, il y a mon adresse, tout ça hein. Je viens de la recevoir il n'y a même pas 5 minutes, donc j'étais super contente. Donc je vais vous parler un petit peu de la box pendant que je suis en train de l'ouvrir totalement. Donc c'est une petite cool box, donc c'est à dire que c'est vendu comme la moitié d'une qualité d'une cool box, donc comme celle que je vous ai montrée il y a quelques jours, je crois, il y a même pas 2 jours. Donc cette box là, je voulais l'acheter au début pour mes 50 abonnés, et voilà, on en est quasiment à 70 aujourd'hui, donc j'ai bien fait de prévoir autre chose. Mais alors c'est la seule box en abonnement, c'est à dire que vous pouvez prendre un abonnement sur les box, mais celle là, la petite cool box, elle est seule, vous pouvez prendre qu'un seul mois, donc c'est vraiment parfait. Elle coûte 25 €, donc si elle est bien, bah ça, je m'en reprendrai d'autres. Parce que du coup, vous pouvez la prendre toute seule, juste un mois. Par contre, il n'y a pas de thème affiché. Donc là, je ne sais pas du tout, mais alors pas du tout ce qu'il va y avoir dedans. Aucune idée. Je sais que quand Soap avait ouvert la sienne, donc vous verrez dans la description le lien de son ouverture de petite coupe-box, elle avait eu principalement du One Piece. Alors oui, je voulais le préciser. Donc cette petite cool box, donc d'un, le thème est mystère et son arrivée est aussi mystère, vu que comme elle coûte que 25 €, ils n'ont pas mis le, c'est-à-dire le suivi comme vous avez pour les grosses box. Vous pouvez voir quand est-ce qu'elle a été postée, quand est-ce qu'elle arrive en France et tout ça. Là c'est vraiment un peu YOLO. Après moi c'est vrai que j'ai beaucoup de, je pose beaucoup de questions au niveau sur Facebook, et du coup ils m'ont dit quand est-ce qu'elles étaient envoyées et tout ça. Voilà, donc après c'est le défaut principal de Japan Box, c'est les durées. Elle a été postée le 18 février, à aujourd'hui on est le 14, il me semble, le 14 mars, donc ça va quasiment faire un mois, alors que normalement le SAL, donc c'est le mode d'envoi, c'est entre 12 et 20 jours, donc bon là ça fait plutôt 30. Mais bon, les box arrivent toujours au bon point. Alors j'ai fini le déballage et là je commence à avoir peur littéralement, parce que j'ai une figurine qui était cassée dans ma dernière box, et là quand je vois l'état du carton, donc c'est la même illustration que pour la cool box, mais alors là vous avez le coin qui a pris un coup, vous en avez là en bas qui a pris pas mal de coups aussi. Alors j'espère juste ne rien avoir de cassé dans cette box, parce que sinon je crois que je vais être vraiment dégoûtée. Alors j'enlève l'illustration, donc c'est la même que celle que je vous ai montrée il y a 2 jours, mais en version plus petite. Mais qui ne va pas se décoller, bien sûr. Donc voilà l'illustration en plus petite. Voilà, je l'aime bien. Là, je trouve mignonne. Ah, mais là, on verra en plus. C'est bien. Donc voilà, normalement, c'est ça le vrai sens, vu que l'icône de Japan Box est là. C'est bien si je commence à mettre tout à l'envers, hein, c'est pas grave. Donc voici la box. Hein, elle est assez petite. Je vais vous montrer comparée à celle que j'ai reçue hier. La box que j'ai reçue hier. Donc c'est une taille de Japan Box normale, et la box d'aujourd'hui, donc oui hein, ça fait quand même bien la moitié, peut-être un quart, mais c'est plutôt pour les produits qui sont dedans. Alors j'ai la voix totalement explosée, merci l'hiver. On repart dans le découpage. Alors j'espère vraiment avoir des trucs sympas, des trucs que je connais, des petites figurines mignonnes. Si vous pouvez avoir du SAO ou un petit Black Butler, ce serait juste trop bien. Ce serait juste parfait. Alors comme d'habitude, je ne regarde pas et je vais essayer de vous montrer. Très embêtant, c'est très particulier d'ouvrir une boîte sans la regarder du tout. Hop, j'espère que vous verrez quelque chose. Alors hop, je pose sur le côté. Juste avant, j'enlève le cutter. J'ai des mauvais souvenirs avec des cutters. Donc je préfère que ce soit loin de là où je vais mettre mes mains. Donc on va partir. Oh, il y a des boîtes. Il y a des boîtes. Il y a des boîtes. Hop, on va commencer par un truc en papier. Ah ouais, là carrément c'est... Est-ce que c'est un objet ou est-ce que c'est vraiment juste du papier bulle? Découvrons. Ok, j'ai reçu du papier bulle en cadeau. Je vais pouvoir m'éclater, je vais tout exploser. Voilà, bon bah... je suis pas sûre que c'est ce que je m'attendais. Je pense que c'est surtout pour protéger. Oh, encore du papier bulle. Ouais. Encore de l'éclat. Oui. Ça dégage. C'est pas vraiment ça que je veux. Alors on va commencer par... un truc de l'attaque des titans, donc c'est cool. C'est un truc sur Mikasa, donc voilà, je vous montre. Et je crois que c'est un socle, donc je vais essayer de l'ouvrir.
de façon potable. Donc il me semble que c'est un socle avec un rond, donc avec des informations sur Mikasa. Donc ça va compléter ce que j'ai reçu dans la Pika Box sur l'attaque des titans. Tu mets du scotch, mais je veux bien que vos produits bougent pas, mais bon, mettez pas du scotch fait pour tenir 3000 ans. Hein. Bon, allez, moi y aller au cutter. Très 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 délicatement, mais au cutter quand même. Et coupe. Coupe. Voilà, je suis d'une précision, d'une délicatesse quand je découpe. Hein. Alors, hop. J'essaie de pas trop abîmer la boîte, j'aime bien garder les boîtes. Surtout que comme je vais déménager sûrement dans 2 ans, et je pense qu'il me faut que je garde les boîtes si je veux pas que tout meure dans le truc. Donc oui, c'est bien ce que je pensais. C'est un... Ok, d'accord, il va falloir que je fasse du montage, hein, la Kinder... Donc voilà, donc ça c'est un petit truc en papier carton qu'il va falloir que je plie dans tous les sens possibles inimaginables du monde, comme c'est expliqué derrière, mais bon voilà. Hein, on va faire un montage à la Kinder, hein, vous savez les Kinder surprise. Donc voilà, donc c'est un petit cercle avec donc une image de Mikasa, 1m70, 68 kg, 15 ans, voilà. Okay. Très mignon, hein, made in China, hein, c'est totalement le Japon, mais c'est pas grave. Donc c'est un peu, je pense, en plastique, comme le strap que j'avais eu de Armin dans ma Pika Box. Donc hop, un petit bon point, je vais remettre ça dans la boîte pour pas que ça se perde entre toutes nos couvertures, hein, parce que je filme sur mon lit, si vous le saviez pas, je vous dis cette petite info. Alors, on continue, on finira par les boîtes. Ah bah encore la même chose sur l'attaque des titans, je pense que c'est ouais, c'est exactement la même chose sur le même modèle. Donc là c'est, il y a les 4 blasons, donc vous avez le blason d'entraînement, le blason du bataillon d'exploration, la garnison et les brigades spéciales. Ouais, je les connais tous par cœur, c'est bien la première fois de ma vie. Attends, je me suis maté 2 ou 3 fois avec SNK. Voilà, donc bon celui-là je vais peut-être vous l'ouvrir juste pour vous montrer le blason. On repart avec le cutter doucement mais sûrement. Donc bon, pour l'instant c'est du SNK. Je pense qu'il y a énormément de goodies SNK au Japon vu que cet anime a fait juste un carton et le manga aussi. Donc pour l'instant moi j'aime bien. Bon j'avouerai que si j'étais pas une fan d'SNK, je me suis frappé la Pika Box plus la petite cool box. Il y a déjà 2 trucs SNK. Bon voilà, j'aurais pas été cool, mais moi je suis vraiment contente. Donc voilà le petit blason. Je pense que ça va aller directement sur mon bureau avec les 3 petites bouilles de Jean, Marco et Connie, si vous voyez de quoi je parle de ma Pika Box. Hop, voilà, donc je remets. Je montrerai tout ça. Je ne mettrai peut-être pas des photos à la fin parce que je montrerai ça sûrement dans l'après-midi. Je vais sûrement, voilà. Donc vous ferez plutôt ça sur mon Twitter, je pense, au niveau des photos. Donc hop, on a déjà 2 objets. Je referme bien. Ouais, ça peut être chiant, mais moi je veux pas que mes trucs qui partent en live. Hop, ferme-toi bien, Mikasa. Voilà, hop, on commence avec 2 petits trucs. Je crois qu'il va avoir, je vais avoir pas mal de trucs parce que j'ai senti une autre boîte exactement de la même forme derrière. Donc je pense que je vais avoir 4 trucs comme ça et des petites box. Donc là, c'est la version avec... Donc avec Levi, parce que Levi j'adore, donc c'est pas un souci. Par contre, oh putain, je me souviens plus de son nom là, au chef blond, parce qu'à chaque fois je l'appelle Armin, parce que enfin pour moi au niveau intellectuel il se ressemble beaucoup, mais je me souviens plus du tout de son nom. Ouais, je me souviens de la déjantée, du mec qui renifle, de... ah, ça va me revenir à un moment ou à un autre, hein, mais voilà, c'est vrai que les indications en japonais derrière... ne peuvent pas m'aider, hein, comme sur les bilans lecture ou tout ça, où je peux m'aider derrière. Là, non, pas du tout. Hop, je vais vous l'ouvrir. Là, bon, là, maintenant, j'ai un stage ouverture de petits trucs. Non, ça, c'est le carton, donc c'est ça. Voilà, hop. Donc, non, vraiment, j'ai rien qui me revient pour ce personnage-là. Plus je l'aime bien, mais alors son nom ne passe à travers, quoi. Ouais, donc s'il me revient, je le mettrai au niveau du montage quelque part, voilà. Bon, ma vidéo s'est arrêtée, comme d'habitude, je sais pas des fois ce qu'il me fait, il me dit t'as 30 minutes de vidéo, mais je t'arrête en plein milieu. Donc on continue, donc je pense
Ouais, encore deux. Oui, un petit terrain. Bon là, je vais aussi le sortir. Vu qu'il y en a d'autres, ouais, je vais sortir un par un. Donc là, donc c'est celui de Eren Jaeger, donc le héros principal. Là, ça va, son nom est marqué en dessous, je peux pas l'oublier. Mais ça me trotte dans la tête là, le nom du putain. Ça me stresse moi quand je me souviens pas d'un truc alors que je veux bien m'en souvenir. Hop, ah, je joue de plus en plus vite. Donc voilà pour Eren, très sympa. J'aime bien les couleurs. Donc hop, donc là ça va orner ma bibliothèque, hein. Déjà qu'elle n'est pas juste complète, non ça va encore plus orner, il faut que je trouve de la place. Donc, je la referme avec ça. Et le dernier comme ça, oui, mon petit Armin Ounet. Ouais, j'ai juste un petit surnom mais bon. Donc Armin, voilà, bon bah je vais mettre deux trucs de toi Armin, hein. Le strap que je ne peux bien sûr pas mettre, hein. D'ailleurs, je sais pas quelle taille ils ont leur portable, mais mon dieu, le strap que j'avais reçu, il est énorme. Genre, ça fait toute ma poche, plus que mon portable. Hop, donc voilà, celui d'Armin. Très sympa, je pense que mon préféré, c'est celui de Mikasa et celui-là, je pense. Dans mes souvenirs, ouais, c'est. Dans mes souvenirs, moi, ça fait juste 5 minutes. Ouais, alors je ressors celui de Mikasa. J'aime beaucoup celui de Mikasa, celui d'Armin et celui avec les bataillons. Les autres aussi, je les aime bien. Bien avoir des petits préférés de temps en temps. Hop. Donc maintenant, on va passer aux boîtes que j'ai senties. Oui, parce que je sens des. Oh. Il y en a plein. Par tous les lieux, par tous les sens, par tous les mille. Bon. Je crois que j'ai reçu une petite cool box, c'est le cas. Donc là, il me semble que j'ai reçu une petite figurine de Sacha. Juste de Sacha, mon dieu, merde! Je suis désolée pour mon langage, hein. les jeunes et tout ça, ne reproduisez pas ça chez vous, c'est dangereux, mais wow, j'adore Sacha, c'est juste, pour moi, elle est au-dessus de Mikasa, mais bon, c'est parce que j'adore Sacha et que j'adore la bouffe. Donc dans cette série-là, il y a Eren. Donc je vous le montre là, non, j'espère que ce sera un petit. Donc il y a Eren, Levi, Mikasa, Armin, Angie et je crois qu'il y a un titan. Ouais, je suis en train de trembler tellement je suis contente. Voilà. Là on a un petit truc genre les pièces des vies. Je sais pas si vous voyez bien parce que j'ai une unité un peu dégueulasse. J'essaierai de changer ça bientôt avec la disposition de ma chambre. Je suis totalement en train de trembler, je suis genre trop heureuse là, genre. Je suis trop heureuse. Donc ça vraiment j'oublierai après. Parce que là, déjà qu'au début de vidéo, vous l'avez pas vu, mais pendant que. Parce que je l'avais pour montage, j'ai essayé d'ouvrir la box et qu'elle a commencé à essayer de m'échapper des mains, je l'ai vite rattrapée. Donc là, j'ai pas envie que la figurine tombe. Alors ensuite. Ah bah du coup je pense que j'en avoir pas mal dans la collection. J'ai ensuite Eren. Voilà, donc c'est des petites figurines en chibi, j'aime bien. Franchement. Là par contre si j'ai. Parce que j'ai senti à peu près 6 boîtes. Donc là il y en a 2 donc il en reste 4 normalement. J'ai senti à peu près 6 boîtes. Donc si les 6, si les petites figurines comme ça, genre la box est super rentable pour 25€. C'est. Moi je suis en mode YOLO quoi. Hop. Voilà, bah du coup, j'ai celle de Angie. Je pense que je les aurai toutes. Je suis pas sûre, mais je pense à 100%. Parce que vu que les boîtes font toutes la même taille. Bon bah là c'est bon, hein, je serai complet en niveau SNK alors que j'aurais pas encore acheté le manga. J'ai que Bifort, donc là ça va me convaincre d'acheter le reste. Ouais, j'ai celle de Armin ensuite. Voilà, ouais, mon petit Armin en mode badass. Ouais, il en reste 2, donc Mikasa. Voilà. J'espère que vous les verrez pas trop mal, hein, une unité toute pourrave. Ouais, donc il y a vraiment une genre de pub, genre. Il me semble d'ailleurs que la figurine que vous voyez là de Levi. Alors j'essaie de voir avec le retour comment vous pourrez bien voir. Là, normalement sur cet angle là, vous devrez voir pas trop mal. Certains l'ont reçu dans les Pika Box. Et donc en fait là, c'est pas au niveau des armes qu'on peut lui ajouter en fait, son équipement tridimensionnel. Hop, et la dernière. Oh bah voilà, justement, je parlais de lui, donc il s'agit du petit Levi. Donc ça va, j'ai pas eu le titan, parce que bon, le titan il est un peu. Il fait un peu flipper quoi, hein, on va pas dire, mais oui, il me fait flipper, littéralement. Donc voilà, le petit Levi. Il me semble que c'est tout. Ouais, je suis à la fin de la box.
totalement vide et wow, juste wow. On va faire un compte. Donc j'ai reçu 6 petites figurines. Donc hop, j'ai montré deux par deux. Donc ah, ça allait tomber. Respire, on reste calme. Donc là, Sacha NG, je vais les remettre dans la boîte pour l'instant pour bien les ranger. Eren Levi. Donc autant vous dire, enfin, je sais qu'au Japon ça doit pas coûter non plus la blinde, des petits trucs comme ça. Enfin, ça va pas coûter si cher qu'une figurine, mais là on a voir 6. 6 quand même, juste 6. Et Mirkarsa et Armin. Donc j'ai toute la collection qui est comme ça, tout simplement. Et j'ai reçu 1, 2, alors il me semble qu'il y en a 5. Donc des sortes de petits trucs décoratifs. Donc les bataillons, Mikasa. Ouh, j'ai emporté le décor avec. Levi et son commandant. C'est toujours pas revenu, donc voilà. Eren. Et en dernier, Armin. Putain, il est tout collant celui-là. Je sais pas ce qui se passe. Peut-être le papier à bulles qui était dessus. Donc, wow. Wow, wow, wow. Et là, j'ai même pas encore ouvert les figurines. Je vous les montrerai juste après. Je vais faire une coupure. Mais juste, j'ai envie de vous dire, je suis heureuse. Mais à un point, mais... une box entière SNK sur un de mes animés préférés. C'est juste wow. Je suis vraiment super, super, super heureuse. Donc je vous retrouve après pour l'ouverture de ces petites figurines. Et pour les serres, je ne sais pas si je les ouvrir maintenant ou après. Donc on se retrouve tout de suite pour vous. Donc à tout de suite. On se retrouve avec les 6 petites figurines que j'ai montées. Et j'ai pas du tout galéré, hein, bien sûr, comme d'habitude. Et je vous ai monté un petit truc mûche, là, on va dire un badge. Donc les 6 petites figurines, donc elles sont vraiment super bien. Donc je vais vous laisser vous les montrer un petit peu. Donc on a celle... Alors je suis désolée pour le son de ma voix, je tourne autour ma caméra. Pas du tout pratique, hein, mais bon, on fait comme on peut. Hop, voilà. Donc là on a celle de Mikasa. Donc le seul défaut que je trouverai à ces petites figurines, c'est qu'au niveau des lames, elles étaient donc protégées par du carton, mais voilà, dans les boîtes longtemps, donc elles sont un petit peu tordues. Mais sinon, franchement, elles sont pas mal. Donc celle de Mikasa... celle de ma petite Sacha, elle est trop mignonne, vraiment je suis super contente, ça me donne encore plus envie d'acheter la série Shingeki no Kyojin en manga pour la voir avec. Donc là c'est celle de Levi qui m'a saoulée à monter, mais vous pouvez pas imaginer, parce que du coup il y a un petit pied là pour donc le tenir en équilibre, et j'ai galéré à le mettre parce que ça rentrait pas, ça tenait pas, c'était la guerre. Ensuite on a Angie, donc voilà, elle est assez simple, mais elle est plutôt bien faite. Ensuite on a celle de Eren qui était un petit peu chiante aussi à mettre, mais moins que Rivail, hein. On va pas déconner. Bah, donc lui il est de côté, hein. Tout le monde est droit, mais lui il a décidé, moi je suis de côté, hein, donc okay. Et on finit par Armin en mode badass, tellement qu'on voit pas sa tête, hein, on voit que ses cheveux, voilà. Donc voilà pour les petites figurines, je suis vraiment super contente. Voilà, donc j'ai toute la collection. Ensuite pour les badges, donc ça se présente comme ceci. Donc en fait vous avez un carton que vous devez limite maltraiter, hein, carrément. Enfin moi je l'ai carrément déchiré derrière pour pouvoir réussir à le rentrer. Donc vous pouvez donc le mettre sur son socle ou l'accrocher. Voilà, il y a un petit bitonio au-dessus où vous pouvez l'accrocher tout simplement. Donc voilà, je vous montrerai sur Twitter une photo quand j'aurai mis tous les badges et sûrement quand j'aurai trouvé une place à toutes ces petites figurines. Et je vous laisse pour cette vidéo, c'est tout pour moi. Ciao !